YouTube, bonjour, bonjour et bienvenue pour la suite de nos aventures sur Dark Souls, le jeu qui, quand il ne tue pas, se suicide. Au dernier épisode, nous avions vaincu un golem de fer, nous avions traversé la forteresse de Seine et nous sommes arrivés à Anor-Londo, riante petite bourgade qui surplombe l'ancienne riante petite bourgade et dans laquelle je pense qu'on aura plein de problèmes. Hello Gordon, comment vas-tu? Bienvenue, bienvenue à toi. Tu arrives pile. Premier run sur le jeu, oui, en effet. Je suis jamais arrivé aussi loin, autant dire que ça va saigner. Bon, donc du coup, on avait déjà affronté le gros monsieur tout à l'heure. On va essayer de voir combien il rapporte sans mourir cette fois. T'as tué une coin fort quand même pour un gros larin. Tu peux sortir le popcorn. Moi je vais saigner des yeux. Non, pas de backseat. Hein. Je découvre, je souffre. Comme les vrais ont souffert. Et resalue Tancred. J'espère que c'est pas toi qui portais la poisse. Alors, ok. Alors, tu ramènes combien? 1500. Rentable! Est-ce qu'on peut se les faire un après l'autre? Oui. On a de la place pour se les faire, ça devrait aller. Le problème, c'est si on doit en taper deux d'un coup à l'occasion, ça va être moins fun. Hop, 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 je jump, double esquive. Le petit balayage, il est violent quand même. De où tu l'as raté? Aïe. Timing tout pour Axe. Et il y a son copain qui débarque. C'est pas moi, vous m'avez pas vu. Je suis mort. 61. Oula. Notre compteur était pas du tout à jour. 61 ou 62 du coup? 62 dans le doute. Bon! Pour paraphraser un ancien ministre, quand il y en a un, ça va, c'est quand il y en a plusieurs qu'il y a des problèmes. Brice, si tu nous regardes, tu peux quitter. Bon, on va récupérer notre truc. Faites comme si j'étais pas là. Alors. T'as une icône dure, les lourds. Hein. Quelle culture. J'irai pas jusqu'à dire que c'est de la culture. Hein. Il s'éloigne avec ses petits sauts de cabri. Gros coup de bol sur cette esquive. Raté celle-là. Bon. Voilà, jouer safe. On va essayer de se faire l'autre là-bas. Il y a peut-être un truc avec la statue. J'ai bon espoir. C'est pas la meilleure armure en effet pour encaisser des coups de hallebarde de 400 kg. Mais c'est une petite robe très saillante que j'ai eu à bon prix. Et surtout en fait la Heavy Knight elle est trop lourde pour moi pour l'instant. Donc je ferai des esquives mais toute mollassonne.
Vu que je suis partisan d'un style de jeu virevoltant et aérien. En voilà deux. Vous lâchez rien, évidemment. Bande de rapia. Yeah! Allez, viens, 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 viens te battre. Magnifique esquive, n'est-ce pas? Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Oh là, deux fois. Je suis sûr que là, il y a un passage secret. Ça a l'air tellement évident que c'est même louche. Ok, donc taper dans son bouclier, c'est une idée de merde. Le petit saut de ballerine. Bonjour, Jerrycan. Merci de nous honorer de ta présence sur ce chat. Ok. Ok, je suis surpris. T'es un vrai coffre, hein? Une titanite démoniaque. Fort bien. Ça se casse pas. Est-ce que lui c'est un méchant? A priori non. Mais il a une belle petite arme. Bon, 11 000, je pense qu'on va pouvoir dépenser un petit peu. Là-bas il y a du people aussi. Est-ce qu'on dépense tout de suite ou est-ce qu'on essaie de se faire les gros là-bas? On va voir si on peut dépenser. Bonsoir le chat. Dis bonjour aux gens. Et la raison de ta présence. Es-tu en mal de croquettes? Il manque 5 000. Bon. Bon. Est-ce que du coup on peut se mettre un truc un petit peu plus solide? Je serais pas contre. Mystère armor, c'est pas mal. Un peu lourdeau par contre. Et la stone armor c'est bien mais c'est très très lourd. L'art laser c'est tout pourri. Elite Knight est plutôt lourde. Ouais, et du coup ça nous fait une petite roulade pas très charismatique. Hein. Mais on va rester avec notre habit de Crimson Sorcerer. Après tout, pourquoi voudrait-on de la défense? Je vous le demande. Alors, il y a un gros monsieur là-bas. Il y a deux gros monsieur. Il y en a un là aussi qui monte avec une terrasse qui monte. Est-ce qu'il y a une surprise entre deux? J'ai l'impression que non. Est-ce que c'est un passage secret? Non. Deux statues sont différentes. Il y a un monsieur avec un gros maillet, puis un monsieur avec une lance. Ça, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Hop.
Tu vois des passages secrets partout? Oui! Tout est passage secret! En même temps, avoue que ça y ressemble. T'as deux pots, un mur qui ressemble à rien au milieu. J'ai pas oublié le deuxième coffre quand même de l'autre côté. Je suis pas con à ce point. Donc là, c'est un vrai coffre. Twinkling, Twinkling, Little Star. Et Titanite. Ça, c'est un mimique. Coucou. Ah, t'es pas beau. Mais tu fais des bruits de merde en plus. Mais tu fais mal. T'as le truc qui fait des coups de pied retournés ninja. Un petit truc pour les mimiques. Vas-y, je t'écoute. Un barre de cristal. Moi je les attaque, hein. Dans le doute je les attaque tous les coffres. On ne sait jamais. Donc t'es un coffre, t'es suspect. Allô? Merci. Il est possible de les ouvrir sans les combattre. Il faut leur jeter un objet. Je sais même pas comment tu jettes un objet. Un truc de flamme ou un truc comme ça. Un talisman de Lloyd. Aïe. Non, mais c'est plus marrant de les combattre. Et de taper tous les coffres préventivement. Putain, mais... Personnage d'alcoolique. Allez, viens. Viens, gamin. C'était pour rire, gamin. Voilà. Bon. Selon mes critères, ça s'est pas trop mal passé. Ce chemin. Ouais, ce chemin champêtre ne me dit rien qui vaille. Et encore moins cette espèce de lumière dégueulasse. Attention aux sorcelles. C'est pour le pouvoir du grand lord Barguin. Du coup, ça veut dire qu'on passe le taper aujourd'hui. Ce qui me rassure un peu. On va pouvoir dépenser notre XP. Peut-être renforcer notre clé mort. Ce qui serait pas une mauvaise idée. Puis ensuite, on ira prendre l'ascenseur. Faut que je trouve un retour vers la forteresse de Seine aussi. Parce que j'aimerais bien explorer la suite de ce qu'on a laissé de côté. Alors. Reste. Vitalité, non. Endurance, ça améliore un petit peu ma charge d'équipement et ma défense. Mais j'aimerais bien monter mon attaque. 26. Bon, en gros, que je la foute en strength ou en dex, c'est un petit peu la même. Voilà, dire dex. Est-ce que je peux réparer ou améliorer mon équipement? J'ai pas de truc d'amélioration. Oui. On s'en fout. Toi, t'as encore de la marge. Toi aussi, toi aussi, toi aussi. Bon, ça va. J'ai monté trop de choses.
Ça s'appelle rendre le jeu plus intéressant. Ouais, j'ai probablement un build tout pourri. Je t'avoue que j'ai pas du tout regardé un petit peu ce qu'il fallait faire, etc. On verra si ce que ça donne vers la fin. On est là pour découvrir. Hein. Ouais, j'allais dire, est-ce qu'il est possible de faire remonter l'ascenseur, s'il vous plaît? C'est souvent comme ça pour les premiers runs. Dans la souffrance. Mais de toute façon, je croyais que c'était un jeu qui est dédié à ça. Hein. La devise du jeu n'est-elle pas Get Good? Good luck to him. Je vois pas ce qui peut m'arriver de malin. Ah, ok. Ça me rappelle vaguement quelqu'un. Hein. Slip taille 32 en barbelé, vraiment. Écoute, j'ai buté tes collègues précédemment, tu vas pas me saouler. De où ça touche pas? T'as la longe, je te le conçois, je te le conseille. Albert de Gargouille, 2500 XP. J'ai l'impression que côté Anne Orlando, il y a un petit peu moins d'ennemis en termes de densité. Par contre, ils sont un petit peu plus méchants. Je fais quoi maintenant? Tomber, mais bien sûr! Mon instinct me dit que ça doit être par là. Je pense que mon instinct me dit beaucoup de merde de temps en temps. Pour l'instant, c'était une mauvaise idée. C'est pas évident ici, tu peux chercher 2 secondes comme tu peux chercher 2 heures. Bon, on va opter pour 2 heures. Hein. Il y a un moment, je me connais. Ah, il y a un passage en bas. Passage secret? Non. Passage secret? Non. Passage secret? Non. Oui, mais je tiens à galérer un petit peu avant, pour histoire de faire un épisode extrêmement chiant pour YouTube. Que les gens vont me tourner en rond, galérer et tout. Du coup, elle met nous cette porte? Très bien en dessous. Ça semble logique, jusque-là. Ouais, un coffre. Un vrai coffre. Une titanite. Là, là, là. Comment profiter des décors plutôt sympathiques?
Même si techniquement, ça a un petit peu pris un coup de vieux. Ah, ok, donc là, on est déjà passé. Après, j'ai envie de dire, vous avez vu Indiana Jones, la dernière croisade, le pont du lion, le sceau de la foi? Il revient, le petit fantôme. Attention, truc stupide, dans 3, 2, 1. Ah, truc stupide. Donc, c'était pas par là. Nous sommes d'accord, c'était pas par là. Sais même pas pourquoi je me fie encore vaguement à ce qui est écrit par terre. Bon. Il fallait tester Tomorerisio. L'idée pas stupide, je la mets du côté pour plus tard. Les idées stupides, j'ai tout un stock. Bon, on va déjà récupérer ce qu'on a perdu. En espérant que notre ami Gargouille soit là, histoire de se faire un petit peu plus de blé. Je suis sûr qu'il y a un vieux truc tout pourri. Le pénitent, le passe. Le pénitent chute et meurt. Hein, la gargouille n'est plus là. On a peut-être un objet qui doit nous servir. On a ramassé divers trucs. On va regarder un petit peu ce qu'on a. Genre un anneau, un truc à la con. Non. Extra sorcerie, on s'en fout complètement. Ring of Sacrifice, ça va nous servir. Blue Tearstone. Ouais, donc non. Ça n'a pas l'air très utile. Les options de jeu, je pense que ça ne se trouve pas dedans. Je peux utiliser ça, tiens. Je sais pas ce que c'est. Le Black Eye Orb. Des âmes. Évidemment, je vais tout garder jusqu'au bout. Je sais pas, il y a un truc du genre. Non. Il y a un truc là-bas. C'est pas ça. Déjà, est-ce que c'est par là? La question est entière. Je suis sûr qu'on aura un truc complètement débile. Du genre, il y avait un truc caché, lol. Non. Toujours pas. Est-ce que bon.
Normalement, c'est par là. Enfin, je pense. J'espère, en tout cas. Sinon, on va tourner en rond pour rien. Ça se casse pas. Un vieux levier caché quelque part, ça peut prendre un moment, oui. Surtout que, me connaissant, je suis un mec d'une patience incroyable. Parce que si je retourne parler au Fire Keeper, il y a des choses à me dire. Je sais pas. Peut-être qu'il va me dire regarde dans le troisième pot de fleurs à gauche, en dessous d'une pervenche. Vas-y, balance un indice. Je sens que ça te brûle les doigts et les lèvres, métaphoriquement. Pas la peine de remonter, mais j'aime cet ascenseur. C'est pour profiter de la vue. Je sens que ça va être tiré par les cheveux. Faut chercher là où j'étais. Au bout de la passerelle. Ah, je me doute qu'il y a un truc au bout à voir et à activer, mais. Il va y avoir un truc tout pourri. En bas des marches. Il y a un truc qui bouge de l'autre côté là-bas. C'est pas aussi laid que ça. Hein. Faut pas remonter un des arcs-boutants. Non mais c'est dégueulasse. Mais c'est tout pourri. Oh là là. Ah, il y a même un qui avait laissé un indice, mais ça n'a pas suffi. Ça sent l'échec. Oh. Ok, des gens étranges. Merci du petit coup de main, Gordon. C'est. Non, mais ça va pas. Ah, t'es pas très solide, non? C'est bien tes petites cabrioles, mais. T'es pas très solide. Ouais, d'accord. Coucou. Des couteaux de lancer. J'avais un siège de dingue, j'ai eu du mal ici. Moi, j'ai pas regardé. Oh non! Oh ouais. Ah oui, mais ce jeu est prévu pour de la plateforme, hein. Je veux dire, caméra au poil, maniabilité précise. Je veux dire, bien sûr, Dark Souls, ce jeu de plateforme, hein.
De quoi? On a climb down sur l'échelle. Boum! En plus, bien sûr, le monsieur là-bas, je peux essayer de t'arnaquer. Je suis sûr que non. Non, reprends ton bouclier tête de nœud. Rendel qui a un bon passage en équilibre. Tour de remonter le moral. Regarde ce que t'as. Tu es complètement foufou. Salut, hein. C'était sympa. C'était sympa de t'avoir connu. Fichtre, la statue de la bougresse est plutôt pneumatique. Comme on dirait dans Le meilleur des mondes. Bon, ça s'est bien passé. Pour l'instant. Il y a un truc sur le lustre. Vraiment. Coucou, toi. Super. Va se calmer, le derviche. On peut descendre dans la cathédrale. On va faire ça. Ça doit être une mauvaise idée, donc on va le faire. Surtout, il n'y aura rien. Passage secret? Non. Il y a un mec en bas, donc on doit pouvoir y descendre. Il y a un truc sur le lustre hein, qu'on n'a pas pu récupérer. Je pense qu'on doit pouvoir le péter pour le faire tomber et le récupérer plus tard. On va miser sur ça. Cascade. Est-ce vraiment une bonne idée? Probablement pas. Il y a un coffre de l'autre côté, mais je sais pas comment on y accède. Même par une coursive latérale. Bidou, 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 bidou. Une petite peinture en plus. Pas le moment de se rater. Alors, est-ce qu'on peut casser le lustre? Oui. La physique, votre allié. Qui eût cru en commençant Dark Souls, moi qui m'attendais à un jeu d'horreur gothique, sombre, Cthulhu, tout ça, que je ferais un cosplay du bossu de Notre-Dame. Bon, porte de brume, c'est toujours une mauvaise idée. Il y a un cabestan. Une gargouille. Une des petites gargouilles qu'ils nous avaient rapportées. Un Orlando. Alors, qu'est-ce que ça fait quand on bouge le truc?
Pour info, la peinture est un monde optionnel, il y a un truc caché pour y entrer. Ah bah oui, ça va être plus simple comme ça. Ah, salut. Ouch. Ouch, again. Mais leurs jambes bien cachées, d'accord. Ouais, on n'est pas là de faire les secrets et les trucs comme ça, hein. Allez, hop, coucouche. La popo qui va bien. Un bouclier de gargouille, est-ce que c'est bien? Ça fait longtemps qu'on n'a pas changé de matos. Ça a l'air moins bien que ce que j'ai. Ah, la résistance à la magie, par contre, c'est pas mal. Ça peut servir. Gueule shield, t'as un peu moins de défense, mais tu pèses un peu moins. Non, les secrets et tout, on va pas se les faire pour l'instant. Même les DLC, je pense que ça va peut-être être un petit peu abusé si on se les fait. Déjà, finir le jeu de base, ça va être bien. Il y a un mec qui a une mauvaise surprise, visiblement. D'accord. Ça fait quoi si je fais ça? Ça ne bouge pas. Très bien. Alors là, des gens. Tu étais caché, le bougre. Des couteaux, ça se prend. Ah, mais il va être nombreux. Et vous êtes combien? Évidemment, je pense que vous êtes chiant en groupe. Peut-être utiliser cette technique secrète qui s'appelle la défense. Encore des couteaux. Plein de couteaux. J'espère qu'il y a un ennemi après qui est sensible au couteau de lancer. J'en ai plein. Faut arrêter maintenant, monsieur. T'as fini le jeu combien de fois, Gordon, puisque tu as l'air de bien le connaître? Et je sais que c'est un jeu sur lequel les gens reviennent régulièrement. La raclure. Ah, vous êtes nombreux, vous êtes chiants. Je vous rapportais rien.
tu sais, ce maintenant. Écrasez votre Et sacré merci pour ton pion. follow, merci beaucoup à toi. Un Guardian Sword. Évidemment, faut que tu ramènes ton pote. Je suis sûr qu'il fallait que vous alliez pisser par groupe. Voilà. Très belle arme pour un combattant léger immobile. Il vient de me démonter. Tiens. Et comme tu peux le voir, je suis pas très léger immobile. Je suis plutôt le combattant tapé. Bon, c'est bon? Plus personne? Vous êtes calmé? Super, un sort, je suis trop content. Moi qui ai utilisé zéro sort depuis le début. Pour le lore, c'est la peinture d'Ariamis. Avec Portios et Diartanon. Je suis désolé. Armure de fer noir. Ça a l'air stylé. Admirons l'instance. Need item, oui. Alors, il cherche un endroit où on peut le voir à peu près. Ah, c'est joli, hein. Si le monde est à l'image de la peinture, ça va être sympa à parcourir. Fais tout contre. Laisse-moi me frotter à ces morceaux d'art. Examine. Ça ne bouge pas. Oui, mais je voulais le voir d'un petit peu plus loin pour en avoir une vue générale. Bon, c'est une bien belle église, mais quand même un petit peu vide. Je dis ça, je dis rien. C'était pour être sûr que j'avais pas récupéré l'item. Non, 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 non. Je suppose qu'il va faire 12 trucs dans tel ordre, machin, etc. Donc. C'est une première run, je pense que j'ai dû zapper 90% des trucs. Si les gens regardent les replays sur YouTube, ils vont te dire: mais t'as pas vu ça, t'as pas fait ça, quelle horreur et tout. Je vais dire: pardon. On va aller voir notre ami le Firekeeper, on va les sauvegarder. Sauvegarder ou avancer? Non, avancer, de toute façon, le feu de camp est pas loin. Non! Disons qu'il faut trouver un endroit bien planqué, encore pire que l'arc-boutant de tout à l'heure. Oui, donc j'avais aucune chance que je le trouve. Un type pour un feu. Qu'est-ce que tu appelles un type pour un feu? Tout proche. Tout près. Non, je vais rester à l'ancienne mode. Les feux, je préfère. Remets un coup de cabestan. Bon, allez, vas-y. Non, mais puis-je te lancer. Je voudrais pas perturber ton enthousiasme. Pousse! Pousse, petit vent! Ah, on peut encore descendre. Ah non, ça fait que tourner. Je les ai déjà vus. Là-bas, il y a le toit d'une église. Donc
là, non. Oui, en bas, il doit y avoir un autre truc. Of course. C'est un petit peu le hub du coin, cette espèce d'ascenseur. Ah oui, il y a un feu là-bas. En effet, merci. Il est tombé, il y a un mec qui a l'air très mort. L'anneau du premier-né du soleil. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a? Qui c'est celui-là? Ring of the First Fireburn. C'est la meilleure des miracles. Ah oui, on va se faire après un instant lore, hein, on va lire plein de descriptions de trucs, ça va être bien, vous allez voir. Le premier-né du Lord Gwyn, qui a hérité du soleil, de la lumière solaire, portait auparavant cet ancien anneau. Ça améliore la puissance des miracles. Donc le premier-né de Lord Gwyn, c'était un dieu de la guerre. Mais sa folie a mené à une perte des annales et à Sending à le chasser de son statut de dieu. Aujourd'hui, même son nom n'est pas connu. Kedah au soleil qui utilise des miracles. C'est Solaire d'Astoria. Praise the sun, tout ça, tout ça. For Dice of Green, Artorias, l'Abyss Walker. Une théorie, c'est que Solaire d'Astoria, c'est le premier-né de Lord Gwyn. Intéressant. Amusant. Donc Artorias était trop fort, avec une volonté de fer, était sans précédent, avec une grande épée. Encore un anneau d'un des quatre chevaliers de Gwyn. L'anneau du frelon qui a porté Bled Ciaran. Enfin, à Ciaran, le. Tu regardes bien, il y a dans Orlando 2 des statues d'une femme avec un bébé dans les bras et il y a une épée qui ressemble bougrement à celle de Solaire. J'ai pas trop croisé Solaire, donc j'ai pas trop suivi, je pense, la moitié des quêtes. Parce que je sais qu'il y a des quêtes à suivre. Mais je pense que j'ai zappé les moitiés des trucs. Et donc Solaire, je l'ai croisé que deux ou trois fois, je crois. Deux fois. Pareil, au niveau des anneaux comme ça, je suppose que s'il y a quatre chevaliers de Gwyn, deux m'en manquaient deux. Qui doivent se balader. Je ne sais pas où. Bon, on va déjà allumer le feu de camp. C'est une bonne idée. J'aimerais bien savoir si on peut utiliser ça. Display Mystical Order. Invade the world of the Mordor Firekeeper to defeat the Perpetrator and reclaim the soul of the Firekeeper. Je peux l'utiliser. Ok. Ok. C'est de lui, Lord Gwyn, vu qu'on l'a vu dans les cinématiques. Grosse épée, hein, le monsieur? Oui. Je veux dire, le mec a des sandalettes, je veux dire. On ne plus qu'il ait des chaussettes et Lord Gwyn serait allemand. Et dire qu'il va se faire. Il va se faire taper par un mec en robe rouge. Quelle humiliation. Quelle indignité. Comme aurait dit un ancien président de la République. J'ai sonné deux cloches, j'ai parlé à Frampt qui était pas très beau. Donc ouais, niveau lore, ça va à peu près. À peu près. Parce que visiblement notre but c'est de rallumer les feux, de remplacer Gwyn en fait, pour rallumer les feux
pour allumer les feux de les feux. Cette phrase n'est pas ça. Alors, il y a des gargouillettes. Il y a un levier. Il y a un truc à ramasser. Il y a des trucs qui brillent. Je suis à peu près sûr que les gargouilles sont moins sympas que celles qui m'ont amené ici. Attention aux géants. Comment ça? Framp, t'es pas le seul dragon primordial, il a un frère. T'es pas obligé de parler à Framp, tu pourras s'en faire plus tard, mais si tu parles à l'un, tu peux plus parler à l'autre. Oh. Bonsoir messieurs. Ravi de vous rencontrer. Oh non, pas les deux en même temps. Tu m'as pas vu. Ouais, calme-toi. Donc pour toutes les fins, il faut faire du jeu deux fois minimum. On va déjà essayer de le faire une fois. J'avais oublié le deuxième effet qui scroll. Allez, viens, viens. Mais amène-toi, je vais pas me battre avec ton frangin en même temps. Mon style de combat est basé avant tout sur la fuite et la lâcheté, alors. Aha! Aha! Je pense que quand je le referai une deuxième fois, je prendrai avec un guide ou un truc comme ça, histoire de pouvoir un petit peu suivre ce qui se passe. Je suis un peu trop concentré sur le fait de pas trop mourir. Pour ne pas passer pour un gros loser au milieu de tout ce beau monde. Aïe. Ça va, c'est loin. On remerciera le buff de santé de la dernière fois. Sans qui je ne serais plus là. Oh, j'ai pas du tout le timing, c'est horrible. Ah, ils m'ont bloqué dans un coin. Technique Street Fighter. Tu as vu venir, hein? Ces gros messieurs sont fort désagréables. Ok, donc toi t'as pas l'air sympa. Ça c'est dit. T'as l'air vachement moins cool que les poteaux qui m'ont ramené. Ça ne se trouve pas par ici. Très bien, c'est un raccourci. Ça m'étonnerait que je puisse pousser les pop-portes. Ah si, je peux. Mais il y avait des trucs là-bas. Parmi lesquels des gargouilles. Une deuxième pop-porte. Bon, est-ce qu'on peut pousser celle-là? Allez. Toujours derrière, je vais me faire défoncer par je sais pas quoi. Ah non, c'est fermé. Et pas tout en même temps, hein. De où ça passe ma défense? Même tu es parasol. Oui, enfin, comme tout le monde, je pense. Enfin, je veux dire, je ne voue pas un amour fou au parasol, mais. J'ai rien contre, quoi.
Alors à deux, ça va être moins sympa. On en reparle bientôt, ok. Ouch. Ce n'est pas sympa ce secret. Je vais taper tous les murs. Hein. Ah, il y a un truc là-bas. Un truc là-bas, mais un truc en haut aussi. Danger zone, safe zone. L'un des deux est un troll. En fait, c'est une safe zone. En parlant de Danger Zone, tiens, sans transition et sans lien avec l'épisode, il y a la bande-annonce de Top Gun 2 qui est sortie. Avec le retour de Maverick. Ok, vous êtes deux et vous n'avez pas l'air content. J'aurais pas misé sur toi en premier, mais soit. Je suis pas sûr de me faciliter la tâche là. Ah oui d'accord, je t'ai pas vu. Ok, très bien, tu le prends comme ça. Le mec il a des fléchettes et des tirs sérieuses. Bon, le glouglou. Et bien sûr le run. Run to the hills. Run for your lives. Ouais, c'est pas des flèches ça, messieurs, hein, ça s'appelle des javelots. Je comprends mieux ce que tu disais en parlant de. Ah oui, ça pique. En parlant de parasol. Ah la vache. Oui, ce serait pour avancer, merci. Aïe. Ouh, ça pique. Plus j'adore les combats sur des corniches. Des flèches de tueur dragon. Est-ce que ça a un lien avec la Dragon Slayer de Berserk? Ou non, je ne sais pas. Ok, donc on peut continuer par là. Il y a un petit voile de brume. Mais on va d'abord aller cogner le deuxième, histoire de prendre des risques inutiles et stupides. Pardon, qu'est-ce que tu disais? Passer du premier coup, c'est. C'est idiot. C'est idiot. Et on vit dangereusement. Hein, c'est. Fallait prendre le risque. Tiens, d'ailleurs, je viens de voir, on est à 1 heure d'épisode. Du coup, YouTube, je te dis, fais ce que tu fais habituellement avec tes vidéos, et puis à la prochaine. Twitch, on se retrouve dans 13 secondes.